Bonjour et bienvenue à la clinique des femmes. Aujourd'hui, on va reprendre les fondamentaux pour vous expliquer comment tomber enceinte. Alors déjà, vous savez que notre cycle est caractérisé par deux phases. La phase folliculaire, qui est la première phase, et la phase lutéale, qui est la deuxième phase. Dans la première phase, il y a la croissance de votre follicule dominant au niveau de l'ovaire, qui va après ovuler, qui va être capté par la trompe et qui va rencontrer, si rapport il y a eu, le spermatozoïde. Et après, il y aura, si il y a eu fécondation, il y aura l'anidation. Si l'anidation ne s'est pas produite, on aura les menstruations 14 jours après l'ovulation. Alors, mais comment calculer cette période? Alors, cette période, on peut la calculer déjà en observant notre cycle. Vous pouvez observer plusieurs mois votre cycle et vous verrez, même si ce n'est pas régulier, que vous avez la menstruation 14 jours après l'ovulation. Donc, si vous faites des calculs, vous pourrez comprendre, même sous des cycles qui ne sont pas des 28 jours pile, quelle est la période d'ovulation. Une fois identifiée cette période, je vous conseille d'avoir des rapports avant la date présumée de l'ovulation. Pourquoi? Parce que l'ovulation dure 24 heures. Ça veut dire que l'ovocyte reste fécondable 24 heures. Après les 24 heures, il y a une atrophie et donc on n'a plus possibilité de tomber enceinte. Alors vous comprenez comment est capital de pouvoir avoir des rapports avant les moments de l'ovulation. Comme ça, les spermatozoïdes sont là à attendre l'ovocyte qui va ovuler. Et si les spermatozoïdes sont de bonne qualité, ils peuvent rester dans les pelvis de la femme jusqu'à 72 heures, voire un peu plus. Bien sûr, vous pouvez vous aider aussi en observant aussi d'autres signes, comme par exemple la glaire cervicale qui augmente beaucoup autour de l'ovulation. Et une fois que vous ne la voyez plus, l'ovulation est passée. Cette glaire qui change aussi de texture et de couleur, il devient plus transparente et plus élastique, donc pour favoriser la remontée des spermatozoïdes. Vous pouvez aussi avoir une tension mammaire quelques jours avant l'ovulation et des changements d'humeur dû aussi au changement des hormones. Donc, une fois que vous avez les rapports, si c'est dans la bonne période, bien sûr, on a les spermatozoïdes qui remontent au niveau du vagin, l'école de l'utérus et au niveau du fond. Il prend la voie de la trompe et c'est à ce moment-là qu'il intercepte l'ovocyte et que si tout se passe bien, il y a fécondation. Une fois que la fécondation est venue, l'embryon il va revenir vers l'utérus et il va s'implanter au niveau du fond. Et donc, a priori, 14 jours après l'anidation, les règles, elles ne viennent pas parce que vous êtes enceinte.